السلام عليكم، مرحبا بكل متابعي ومتابعات قناة مدرسة الرياضيات والفيزياء على اليوتيوب. في هذه الحصة نخصها للسيري نيميريك بوغ لا فيليير اس ام بي 2 اس ام سي 2. الطريقة ديال العمل غنجيب لي تيوريم، وبوغ شاك تيوريم غنديرو دي زيكزامبل كي اكسبليك لو تيوريم، يعني غنحاول نبسط ما امكن كل تيوريم بوحده. على بركة الله نبدأ بيون بتيت ديفينيسيون. جو كومونس par une petite définition, donc soit un u suite de e. Je vous donne un exemple. Exemple, je suppose une suite de termes général un est égal 3n moins 2. Donc le premier terme u0 est égal à moins 2, deuxième terme u1 donc est égal à 1, u2 est égal 6 moins 2, c'est-à-dire 4, etc. Donc j'ai défini une autre suite, par exemple Sn, qui est égal à la somme des les termes. Donc U0 plus U1 plus U2 jusqu'à Un. Tel que S0, bien sûr, S0 là, on a N0, on a U0 qui est égal à moins 2. On a là une nouvelle suite qu'on appelle série de termes général UN. Donc, SN, une suite de termes général UN. On l'appelle série numérique. Et on note la somme de UN. Voilà une série, la série numérique. La somme de UP, tel que P est égal à 0 jusqu'à N, comme je l'ai SN, s'appelle somme partielle. De la série, la somme de UN. Passons maintenant à la convergence d'une série. Donc, soit UN une suite de E, on dit que la série de termes général UN converge si la suite SN converge vers un élément S de E. S est appelé somme de la série, on écrit S est égal à la somme de N est égal à 0 jusqu'à plus l'infini de UN. On a défini SN comme la somme de UP, P est égal à 0 jusqu'à n. Donc on dit que la somme de un est convergente lorsque la suite Sn est convergente. On écrit alors la limite, donc entre le limite en plus l'infini de Sn est égal à la somme, enfin la limite de la somme en plus l'infini toujours de UP jusqu'à N, P est égal à 0, de 0 jusqu'à N, dans ce cas de la limite canatéwa est égal la somme de P est égal à 0 jusqu'à plus l'infini de UN. La somme
la somme de la série. Exemple, alors donne un exemple. Je ne fais mot. C'est quoi? Je prends la série suivante. Par exemple, 1 sur 2 à la puissance n. Je sais que un, la suite un est égale à 1 sur 2 à la puissance n est une suite géométrique. On a déjà défini la somme. On a vu comment on va Q ça oui. 1 sur Q, c'est-à-dire 1 sur 2 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 sur 2, qui est égal à 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1 sur 1 demi. Quand on décrit bien la somme de Q à la puissance n est égale à 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Là, il y a le cas dans cette porte. Maintenant, on va calculer la limite de Sn. Donc, la limite de la somme de 1 sur 2 à la puissance n est égale, si on plus l'infini, est égale à la limite de la ligne. La limite de 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1 sur 1 demi en plus l'infini. Je sais que la limite de q à la puissance n en plus l'infini est égale à 0 si q est inférieur à 1. Donc là, on a q, fait l'exemple, il y en a q est égal à 1 demi. Donc là, la limite qu'on tend vers 0. Donc, on passe à notre théorème, le théorème 1. Le théorème qui roule bien, si la série, la somme du UN est convergente, il y a de la série est convergente, alors la limite du terme général UN est égale à 0. C'est obligatoire. Cas particulier, si la limite de UN est différente de 0, alors la série est divergente. Donc, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il y a des valeurs. Je prends un exemple. La série suivante, la somme de n plus 1 sur n moins 3. La série, est-ce que c'est une série converge ou la diverge? Je peux remarquer que la limite de n plus 1 sur n moins 3 en plus l'infini est égal à la limite de 2n sur n en plus l'infini est égal à 2, différent de 0. L'ardon, maintenant la condition de limite de un est égal à 0, donc je peux dire que 2n, la série 2n sur n moins 3 est divergente. Maintenant, une remarque très importante, c'est que la réciproque est fausse. Yani, il y a la limite de un est égal à 0, et puis je vais dire que la série est convergente. Par exemple, la série 1 sur n. Quand on remarque que la limite de 1 sur n en plus l'infini, n tend vers plus l'infini, est égal à 0. Maintenant, même si la série est convergente, on sait que cette série 1 sur n est divergente. On va voir la vidéo de Mokbin, Inch'Allah. On va dire la série de Riemann. Donc la série est une série divergente où la limite de 1 sur n est égale à 0. Donc la réciproque est fausse.
Donc, je peux conclure. Donc, si la limite d'IL UN est égale à 0 en plus l'infini, donc, quand on coule la série d'IL UN, on ne peut pas, la nature de la série UN, on ne peut pas conclure. La même question à la fois convergente ou la divergente. On ne peut pas conclure quand il y a d'autres théories. Passons à notre théorème, théorème 2, soit UN et VN de suite de E. On suppose que les deux séries à terme, le terme généraux UN et VN convergent, alors, quel que soit alpha et bêta partie en k carré, la série de termes générale est converge. Yani, il a dit UN, UN, la série UN et VN sont convergentes, les deux. Donc, on a la somme NNM, alpha UN plus bêta VN est convergente. Par exemple, déjà, il y a bien la série 1 sur 2n est convergente. Ou 1 sur n. Facteur n plus 1 est convergente. À des par définition, je forme le bête. Donc, la somme des deux, 1 sur 2 à la puissance n plus 1 sur n facteur n plus 1 est une série convergente. Maintenant, si UN, la série UN est convergente et VN est divergente. Donc, la somme d'UN plus VN est une série divergente. Et là, quand tu as une affirmation convergente ou l'autre divergente, la somme cartésienne divergente. Troisièmement, si la somme UN diverge et VN est une suite divergente, donc les deux sont des séries divergentes, donc on ne peut pas conclure. Il y a une même question que l'on a de la somme et on ne peut pas conclure à propos de la somme d'IL UN plus VN. Il y a une même question que convergente ou la divergente. On a d'autres théorèmes pour vérifier à de la somme convergente ou la divergente. Passons au théorème 3. Donc, avec le théorème, regardez, on a deux séries. La série de termes général 1 sur n facteur n plus 1, quel que soit n supérieur ou égal à 1, est convergente. Donc, avec la série, c'est la fois bien là. C'est une série convergente. Les catégories 1 sur n facteur n plus 1 est convergente. Ou la somme de la S est égale la limite de un n est égal à 0 jusqu'à plus l'infini. Tous les termes jusqu'à l'infini. La série de termes générale 1 sur n est divergente. Qu'est-ce qu'il y a une série harmonique? Série harmonique. Les deux séries sont à la fois bien
خصنا نعرفوا لا ناتور ديالها. يعني sans démonstration هاد لي دو سيري خصنا نعرفوا لا ناتور ديالهم. La première est une série convergente, alors que la série harmonique est une série divergente. 1 sur n, elle est toujours divergente. Maintenant, le quatrième théorème, soit un et vn de suite réels, tels que à partir d'un certain rang, quel que soit n supérieur à n0, un entre 0 et vn, là, les deux séries les deux suites à terme réel positif, yani coulomb sont positifs. Donc la première condition, si Vn est convergente, alors Un est convergente. Yani la quantité dit Vn convergente, alors Un est convergente. Si maintenant Un, si Un est diverge, alors Vn est diverge. Exemple. On va étudier la nature de la série de termes général 1 sur n à la puissance n. Donc on sait que quel que soit n supérieur ou égal à 2, n à la puissance n, elle est supérieure ou égale à n carré. Donc n démontré par récurrence. Donc, 1 sur n à la puissance n est inférieur ou égal à 1 sur n au carré. On sait que la série de termes général 1 sur n carré est convergente. On fait les séries de Riemann. Convergente. Donc, il a quand même dit Vn convergente, alors Un est convergente aussi. Donc, la série de termes général 1 sur n à puissance n est convergente. Maintenant, avec le théorème 5, le dernier théorème fait de la vidéo. Donc, soit Un et Vn de suite numérique strictement positif, tel que s'il existe un cas, tel que la limite de Un sur Vn est égale à K en plus l'infini, alors les deux séries, Un et Vn, que qu'on a donc, même nature. Il y a la quantité Un convergente, alors Vn est convergente. Si Un est divergente, alors Vn est divergente. Ce résultat est vrai, en particulier lorsque les suites Un et Vn sont strictement positives et vérifiées. Yani Un et elle est équivalent en plus l'infini en l'infini à Vn. Exemple. Anardo deux séries. Par exemple, 1 logarithme log de 1 plus 1 sur 2n. Et la série 1 sur 2n. Je calcule maintenant la limite. Donc la limite de Un sur Vn en plus l'infini est égale à la limite de log de 1 plus 1 sur 2n sur Vn, il y a 1 sur 2 à la puissance n, qui est égale, je vous rappelle que limite de log de 1 plus x sur x en 0 est égal à 1. La limite de 1 sur 2 à la puissance n en plus l'infini est égal à 0. Donc il a la valeur 1 sur 2n si on met x est égal à 1 sur 2 à la puissance n. La limite à tout la chèque de la limite de log de 1 plus x sur x lorsque x tend vers 0. Les ratatés n'ont déjà 1. Donc là, le cas doit être différent de 0 ou de l'infini. Il y a
il est supérieur strictement à 0. Donc je peux dire que U, je peux dire que la série U de N, Léa, et V de N ont même nature. Elle a donc même nature. D'accord, il faut bien la série 1 sur 2 à la puissance n est convergente. C'est une série géométrique telle que Q est égal à 1 sur 2. Donc, c'est convergente. Donc, on peut dire bien l'autre série, la somme de log de 1 plus 1 sur 2 à la puissance n est convergente aussi. Donc, je fais là, et quand la limite de un sur vn est égale à k en plus l'infini, tel que k est différent de 0, alors un et vn ont la même nature. Il y a quelques autres théorèmes. باش ما نطولش اكثر غنخليهم لا فيديو مقبل ان شاء الله. وصلنا لنهاية هذا الفيديو، ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم وديروا جيم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.